en direct du centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. La rondelle est tombée. Bon match, mesdames et messieurs, qui remet à Mathieu, qui lui redonne l'appareil devant le filet. Rondelle déviée par Denis, stoppée par Samson. Et la mêlée éclate, entre autres, avec Chevrier. Paradis transporte le disque en entrée de zone. Feinte à deux reprises. Tire finalement qui provient de son bâton. Oh, pas d'enjeu en entrée de territoire. Mise en échec de Chevrier. Belle passe vers Asselin. Asselin s'amène partiellement à l'échappée. Tire bloqué par Samson. Et ça permet à Chevrier de relancer l'attaque pour son équipe. Deux contre deux avec Crevier-Morin devant le... Tire le but! Quelle belle passe de Chevrier sur la séquence. Quelle passe de Chevrier du revers vers Crevier-Morin. C'est des passionnés, les gens du KRTB. Ils aiment leur équipe. Mais Blackburn profite d'une rondelle libre. Tire devant. Tire sans part du retour. Mais Boilly complète l'arrêt. Passe vers Paradis. Paradis en entrée de zone. Belle fin. Tire bloqué par Boilly. À Veilleux. Veilleux en entrée de zone. Passe de l'autre côté. Récupéré par Terrien. Ça revient à Drolet. Tire le but! Marqué par le défenseur Drolette. Beau tir. Rejette le disque derrière le filet du gardien Boilly. Là, il y a une mise en échec par derrière. Et il y a un joueur qui reste au sol. Je pense que c'est Crevier-Morin. Tu t'es senti laissé de côté. Ah, mais il nous dit souvent à la joke, on est resté en bon terme. C'était notre soigneur quand on avait gagné le Challenge CCM en 2019. Il dit, moi, je prends ma retraite, on a gagné de quoi? Je pense qu'il avait oublié que 3 ans avant, il avait gagné la Coupe Futura avec les 3L. Mais nouveau papa, hein, plus occupé, donc suivre deux équipes sur la route, c'est un bon agenda. Ouais. D'autant plus qu'il travaille. Art à la glace. Tu sais, très intelligent du côté droit. Denis passe vers Verpalst qui s'amenait. Et Verpalst a été mis en échec, il a chuté également, là. Derrière le filet, passe vers Gauthier, tire, quel arrêt de Boilly! Point stoppé par le gardien. Et là, ça permet à Blackburn de s'échapper de l'autre côté. Blackburn, fin, tire le but! Marqué par Simon Claude Blackburn, en échappé entre les deux jambières de Boilly. Comme entraîneur, tu joues conservateur à côté, là, comme on veut. Et belle feinte de Paradis, la rondelle est toujours libre. Tire de Ouellet, ça passe par-dessus le filet. Et belle manœuvre de Paradis. Denis vers Veilleux. Veilleux laisse pour Terrien sur l'aile. Tire bloqué par Boilly. Cherche la rondelle. Oui, Boilly cherche la rondelle, tout à fait. Asselin qui perd le disque à nouveau. Ça fait deux fois, là. Alors que Picard s'amène. Fin du revers. Devant le filet, passe à Terrien. Et Terrien me fend l'air avec une cage béante. Blanchette remet à Mathieu vers Beaulac. Beaulac tire de Boilly. Maintenant 2-2. Et la Veilleux rejoint Chevrier par Beaulac. Il est retenu. Il y aura finalement une pénalité. On donnera un tir de punition. Non. Les enjeux remportés par les Marquis. On s'échange la rondelle entre Verpalst. Ouellet derrière la ligne des buts. Passe à Verpalst. Tire le but! Marqué par Gabriel Verpalst en avantage numérique. 5 contre 3. Pendant une 1,56 et ça a pris environ Brisebois qui rejoint Ouellet et vers Drolet en entrée de zone. À Picard, tire, rondelle libre sur le retour, tire le but! Marqué par Veilleux sur le retour, Picard a tiré, c'est revenu directement sur la palette de Veilleux qui complète entre les deux jambières de Boilly, c'est 4-2. Okay. Devant le filet, mise en échec de Lévesque sur Cloutier. Redonne le disque à son défenseur Verpalst. Patient avec la rondelle. Beau jeu et une passe vers Picard qui remet à Simard. Il s'amène devant Boilly. Fin du revers. Bloqué par le gardien. Quel arrêt important. Thibault remet à Drolet. Tire de loin. Bloqué par Boilly avec Picard devant lui. Picard qui avait été complètement oublié devant Boilly. Un petit peu de brasse camarade après le coup de sifflet, entre autres avec Mathieu. Tout ça a commencé avec Picard devant Boilly. Vers Bordelot. Et pour Allard. Allard s'amène devant Boilly. Tire qui rate la cible de peu. Vers Masson. Passe devant. Tire de Thibault. Ça rate la cible. Et finalement, c'est fait. On enlève le gardien. Gagnon s'amène. Sur la glace. Dégagement qui sera refusé. Passe vers Mathieu. Mathieu tire. Ça rate la cible.
Et c'est là-dessus que se conclut ce match. Victoire de 4-2 des Marquis de Jonquière sur les 3L de Rivière-du-Loup. Et les Marquis éliminent les 3L en première ronde en 4 matchs. Aux Marquis de Jonquière, ouais, dans la deuxième ronde. Tout à fait. Même première équipe qui accède à la deuxième ronde. Là, il y avait des matchs prévus ce soir, là, mais durant la poignée de main à la fin, Mike, c'est un peu tout oublié. Puis là, on fait comme, hey, good job, bonne série, puis bonne chance pour la suite. C'est pas nécessairement oublié, mais à un moment donné, il y a de la fierté. En transition, on a fait un peu le ménage pour repartir à neuf cette année. Je pense pour le mieux, il y a vraiment des éléments intéressants, mais il faudra être patient. Là. Il y a des bons clubs dans cette ligue-là, des clubs expérimentés. Ça prend quelques années.